Bonsoir à tous et à tous, bonsoir à tous les suiveurs et à tous les inconditionnels de Grégoire Omnisport. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, one and one, il a montré une fois de plus que c'est l'homme de la Ligue des Champions, que c'est le chef suprême de la plus prestigieuse des compétitions, la Ligue des Champions, avec un triplé, encore une fois de plus, face à Diego Simeone. Simeone defanon avant match bi beaucoup juifs dorés de dem jaay xal. Je pense que Simeone va aller vendre du melon dina jaay xal parce que face à Cristiano Ronaldo, Simeone courbe le chine à chaque fois, parce que rappelons-nous, ce n'est pas la première fois que juif donc Cristiano Ronaldo di def triplé en Ligue des Champions. Wolfsburg Real Madrid, Wolfsburg dor Real à l'aller, retour Cristiano Ronaldo def triplé. Donc Atlético Madrid 2 mai 2017 donc demi-finale aller de la Ligue des Champions, Cristiano Ronaldo triplé le def. Face à qui? Face à l'Atlético Madrid de Diego Simeone. Match de retour, Atlético d'or, Real Madrid 2-1, Real finale, dem l'équipe Juventus de Turin, Cristiano Ronaldo, et plus que jamais, le meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des Champions, mais aussi le meilleur joueur pour moi de l'histoire de la Ligue des Champions, la légende vivante Cristiano Ronaldo, montre une fois de plus que c'est un gagnant, c'est un compétiteur, et c'est une légende vivante. Dafa def Manchester Totko, dem Real Totko, ñu né dét mu dem Juif Totko, Radia. Donc Cristiano Ronaldo, l'homme des grands soirs, a inscrit un triplé pour donc maintenir la Juve à flot et qualifier la Juventus de Turin pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Parce que battu à l'aller 2-0, la vieille dame a montré que la vieille dame est loin d'être sénile et loin d'être vieille, mais Cristiano Ronaldo est venu rajeunir la vieille dame pour l'amener vers le sacre continental qui fuit la vieille dame depuis des années et des années. Donc c'est pour dire que Cristiano Ronaldo mérite donc les 100 millions d'euros déboursés pour acheter donc Cristiano Ronaldo. Donc Florentino Pérez doit sa mort des doigts. Cristiano Ronaldo demna Real togna 8e de finale, Cristiano Ronaldo defna triplé togna Atlético. Donc la soirée est belle pour le héros Cristiano Ronaldo, parce qu'avant match bi pour montrer l'état d'esprit de Cristiano Ronaldo, il faut une conférence de presse ne va jouer de tourner genn le new stade xewi man dama koy gérer tay. Et c'est ça la marque de Cristiano Ronaldo, c'est un gagneur, il a la hargne, il a la fougue et il a le mental de compétiteur. Cristiano Ronaldo, c'est un athlète, il ne lâche jamais prise et il a montré à maintes reprises. Donc il mérite tous les compliments ou bien tous les louanges de Cristiano Ronaldo. Donc match bi metti wonna par Atlético Madrid dañu ñew indil gaay bus, parce Simone ñew won pour football dafa ñewon garé bus ta xamna né donc l'Atlético n'est pas un bon voyageur comme niko momo fay waxé. Momo fay nak Togna Massi, tu as bien analysé la rencontre. Atlético Madrid, il voyage mal et Cristiano Ronaldo en a profité pour ainsi un triplé 27e minute sur une passe décisive de Bernard Deschi, donc qui a réalisé une excellente prestation. Donc Joao Cancelo, deuxième but, 2 buts de la tête et un pénalty provoqué par Bernard Deschi. Donc il n'est juste dominé match de fond en comble, 102% de possession de balle contre 38 pour l'Atlético, 16 tirs au total, 4 cadrés, 3 buts, Atlético, 5 tirs au total, 0 tirs cadrés. C'est pour dire que Muni Morata, Griezmann, Correa, Kiri Lemar, donc Coquet, n'ont pu rien faire face à cette Juventus de Turin déchaînée. Parce que Juve, Menen, Soirée, Juve, ils sont bien taillés pour aller loin dans cette Ligue des Champions. Donc Juve gagne un, Atlético Madrid d'Union pour gérer le score. L'Atlético a déçu, parce que Fogonan, Atlético, il le met Juventus de Turin. Donc indi le match de Turin, donc je pensais même que l'Atlético pouvait même se qualifier parce qu'il y a corona né ren Atlético comme Real togna Atlético warona meuna rouge ba sori ci les champions, mais gis nañ né avec ce Cristiano Ronaldo la Juve donc tient son top player donc qui cherchait depuis des années, parce que Juve ils sont constants à chaque fois dans une finale 2015 Real donc Barça gagne l'en 2017 Real gagne l'en, mais cette fois-ci Juve donc ils ont le top player qui leur manquait, c'est-à-dire un joueur capable de gagner à lui seul ces matchs. Donc, et c'est Cristiano Ronaldo. Donc félicitations à la Juventus de Turin qui sont qualifiés et nos encouragements à Simeone. Simeone, je pense que Fumtol ne gagne Cristiano Ronaldo. Parce que Ligue des Champions, beaucoup Simeone Diolou, je pense que c'est en grande partie grâce à Cristiano Ronaldo. Parce que Urbuda et Cristiano Ronaldo, d'accord, défend le bagage. Et une statistique qui montre que Cristiano Ronaldo entre un peu plus dans la légende de la Ligue des Champions. Cristiano Ronaldo, il totalise désormais 29 buts dans les matchs à élimination directe. C'est incroyable. C'est pour dire que Cristiano Ronaldo, c'est un joueur décisif. 29 buts dans les matchs à élimination directe. C'est-à-dire à partir de la 8e de finale jusqu'à la finale, Cristiano Ronaldo double 29 buts durant sa carrière en Ligue des Champions. C'est pour dire que c'est un joueur hors norme et il porte la Juventus de Turin. Donc Juve qualifié. L'autre qualifié de cette soirée, c'est Manchester City. City mom amuñu ben yermandé. Dañu lapp dañu do City
dañ ko doro ñom Salif Sané dañ leena tecce dañ leena deubal ba mu moko su moké neex donc bi nak debbi moko na Pape Diouf moko way mais tay City daño debbu wa Schalke 7-0 avec un doublé de Sergio Aguero, un but de Leroy Sané qui avait marqué contre son ancien club, son club formateur et qui a délivré 3 passes décisives. Leroy Sané. Leroy Sané a brillé contre un autre Sané, Salif Sané, le Sénégalais qui a été malheureux. Tout l'air dans la défense de Schalke, Salif Sané a coulé donc à l'été stadium 7-0, Jérôme Niari Ball, Tidara. Donc City, Maynou Dara. Qui est un Schalke 04, semaine de l'année, mais nous sommes dimanche ou à l'arbre pour nous, n'importe quoi. Donc, si tu se qualifie, logiquement, en quart de finale de la Ligue des Champions, la Juve s'est qualifiée, remontera pour la Juve. Donc, rendez-vous demain pour les chocs Liverpool qui va se déplacer au Bayern de Munich et Lyon qui va se déplacer au Camp Nou pour défier Messi et l'FC Barcelone. Donc, Lyon, prépare-les parce que Messi qui s'en rend au défi de triplé. Donc, Lyon, prépare-les parce que Messi, Dinadal, Sen, K.O. Cristiano.